l'immense comédienne de théâtre Florence Giorgetti vient de s'éteindre à l'âge de 75 ans, la triste nouvelle a été annoncée par le Théâtre National de la Colline. Pierre Arditi et son fils Frédéric sont en deuil depuis l'annonce du décès de Florence Giorgetti, qui était l'ex-femme du premier et la mère du second. La comédienne est décédée ce jeudi 31 octobre 2019 à l'âge de 75 ans, a fait savoir sur les réseaux sociaux le Théâtre National de la Colline, qui lui avait donné parmi ses plus beaux rôles. C'est par la voix de son administrateur l'écrivain Wajdi Mouawad que le théâtre s'est exprimé sur Twitter, Florence Giorgetti nous a quittés, l'immense comédienne et actrice de cinéma, l'auteur et la lectrice qu'elle était, nous manquera à jamais. Le théâtre parisien a également rendu hommage à la comédienne sur sa page Facebook. Florence Giorgetti a illuminé de son talent les petits aquariums, texte de Philippe Mignana présenté tout juste après l'inauguration du Théâtre National de la Colline à l'hiver 1989, mais aussi du Matin à minuit de Georg Kaiser en 2000 et le Chemin de Damas de Strindberg à l'hiver 2004 dans les mises en scène de son compagnon Robert Cantarella, peut-on lire sur le réseau social. Une femme de théâtre. La carrière de Florence Giorgetti, née à Paris en 1944, s'était déroulée pour l'essentiel sur les planches. Malgré une présence dans plus de 40 films, une nomination au César pour son interprétation de Marilène dans La Dentellière et une douzaine de téléfilms, Les Saintes Chéries, Maigret, Les Cinq Dernières Minutes, l'actrice avait toujours donné sa préférence au théâtre. À cette comédienne d'exception qui avait brûlé les planches pendant de si longues années, le ministre de la Culture a rendu sur Twitter un vibrant hommage. Elle était une comédienne de caractère, une amoureuse de la littérature, une auteure accomplie autant qu'une lectrice assidue, a écrit Franck Richter. Florence Giorgetti nous laisse tant de beaux souvenirs. Je pense à sa famille et à ses proches.